Bonsoir. Voilà. Alors, bonsoir, bienvenue à la Maison de la culture pour ce conseil, cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mois de juin. Alors, nous sommes très heureux de nous être déplacés plus près de certains d'entre vous, ici à la Maison de la culture dans le district d'Hunsic. Alors, je m'appelle Émilie Tuilier, je suis la mairesse de l'arrondissement et je vous présente tout de suite vos élus, en commençant à ma gauche, M. Adrien Parizeau du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Mme Effie Gianou du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Mme Nathalie Goulet du district d'Hunsic. Bonsoir. Et M. Jérôme Normand du district du Sault-Récollet. Bonsoir. Alors, nous sommes accompagnés aujourd'hui, il me semble que tout le monde est un peu loin, par Mme Michèle Giroux, qui est la directrice de l'arrondissement, et je vous laisse présenter votre équipe. Oui. Bonsoir, Michèle Giroux. Je suis accompagnée ce soir de Mme Lisa Siminaro, direction greffe, performance, services administratifs, Mme Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement, et également Mme Michèle Blais, chargée de communication à l'entrée, M. Jean-François Circé, chef de division, et Mme Julie David, qui a pris vos questions à l'entrée. Merci. M. Côté. Bonsoir, Gilles Côté, directeur de développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. J'ai également ce soir avec moi dans la salle M. Thomas Rivard, chef de la division de la voirie. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Et ce soir, je suis accompagné de Sylvie Quentin, chef de section bibliothèque dans le secteur Cartierville. Bonsoir, lieutenant Martin Campeau, représentant du poste de quartier 10 et poste de quartier 27 du service de police de la Ville de Montréal. Alors, nous avons fait le tour des présentations. Vous avez à l'entrée où vous avez donner votre nom pour des questions. Il y avait des cartables, donc si vous avez des questions sur les dossiers qui seront adoptés ce soir, toute l'information est dans les cartables. Vous pouvez aller les consulter à l'arrière. Nous passons maintenant au point 10.02. Alors, comme à l'habitude, les élus ont un petit mot pour vous dire tout ce qui se passe dans l'arrondissement. Alors, je commencerai en remerciant une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais que nous avons revue à la fête de l'arrondissement, M. Steve Dasylvain, qui était le commandant du PDQ 10, qui nous a quittés récemment pour un autre PDQ à Montréal. Alors, je souhaite le remercier de son travail, de son implication, son engagement, sa collaboration. Nous avons très bien travaillé avec lui et nous avons hâte de connaître le nouveau commandant du PDQ 10. Et merci, M. Campeau, entre-temps, d'être avec nous. C'est très apprécié. Donc, je souhaite également remercier tous les employés de l'arrondissement qui étaient là samedi au parc Marcelin-Wilson pour la fête de l'arrondissement. Il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de monde. Évidemment, il faisait beau, donc ça a aidé. Et j'espère que vous avez pu en profiter. J'espère que vous êtes venus faire les activités, voir les installations. C'est vraiment une activité importante dans l'arrondissement. Et je pense que ça fut un grand succès cette année. Je profite de l'occasion aussi pour vous rappeler que nous avons un programme de ruelles vertes. Nous avons d'ailleurs, avec M. Normand, inauguré la première ruelle verte issue de notre programme qui s'appelle le Sentier des lutins. Alors, elle est fantastique. Et nous avons un engagement d'en faire 4 par année, évidemment, si les gens souhaitent faire des ruelles. Alors, pour les comités de ruelles, vous avez jusqu'au 1er juillet pour déposer un projet. Alors, n'hésitez pas, le programme est pour vous. Si vous êtes mobilisé dans votre ruelle, si vous avez un projet à déposer dans l'arrondissement, c'est pour vous que le programme a été créé. Et je terminerai en parlant du festival Je lis, tu lis. C'est un festival que les parents connaissent très certainement. Depuis de nombreuses années, l'arrondissement et les bibliothèques de l'arrondissement sont très investis auprès des tout-petits pour la lecture, parce qu'on sait maintenant avec des nombreuses recherches scientifiques que la réussite scolaire
passe par l'apprentissage de la lecture dès le plus jeune âge, hein, même si on ne sait pas lire, le fait de regarder les livres, de les toucher, d'avoir envie d'entendre des histoires, c'est important. Alors, l'arrondissement reçoit un financement, mais aussi travaille avec les organismes communautaires, avec des partenaires. Il y a des heures du compte qui se déplacent dans les parcs de l'arrondissement. On a un passeport lecture aussi. Alors, profitez-en avec vos tout-petits. Ce sont vraiment des activités très chouettes. Et évidemment, les plus grands aussi, on peut se mettre à côté et écouter l'heure du compte. Alors, je passerai maintenant la parole à M. Adrien Parizeau du district de Saint-Sulpice. Oui, bonsoir. Je suis très content d'être ici dans Antique aujourd'hui. Puis je pense que c'est une très, très belle salle. On est un peu loin de vous, mais c'est une très belle salle. Puis il y a beaucoup de gens, donc on est content. Je ne sais pas si vous, il y a certains d'entre vous qui l'avez remarqué, il y a eu le changement de la croix de chemin sur le coin Saint-Hubert et Crémazie. Donc là, l'ancienne croix de chemin a été retirée parce qu'elle était en train de se dévaloriser beaucoup. Donc ils ont mis une nouvelle croix de chemin qui a été produite par les gens de Espace pour la vie. Là, je ne me souviens plus trop, là, c'est ça, Espace pour la vie. Hein? D'Espace pour la vie, est-ce qu'on peut me confirmer? Oui, c'est ça. Hein? Bon, merci. Donc, c'est une croix qui est plus proche de l'original. Donc, on est content aussi de retourner vers quelque chose qui était plus proche de l'historique de la croix de chemin. Donc, elle a été installée. Je vous invite à aller la voir. Là, ils ont coupé les petits arbustes qui étaient à côté parce qu'il fallait qu'ils installent la nouvelle base, mais il y aura une nouvelle plantation d'arbustes à venir. Ensuite, il y a eu la distribution le 1er juin dernier des fleurs et composts dans le district de Saint-Sulpice. Puis je voulais souligner une initiative de Youville qui ont décidé, comme groupe citoyen, de venir fleurir une partie de la jeunesse. Donc, ils ont adopté plusieurs carrés d'arbres. Puis, c'est encore possible pour les gens qui habitent proche de la jeunesse là, d'imprimer sur le site de Youville, sur leur page Facebook, un petit pamphlet pour initier les gens à arroser les carrés d'arbres. Donc, je suis très, très content. Là. Ça fait un bel embellissement. Je suis passé cette fin de semaine, puis ça fait un petit peu d'animation sur la rue de la jeunesse. Puis, eux, ils sont très contents de ça. Donc, je les remercie de l'avoir fait comme groupe citoyen. Ça me fait passer aussi au point du rêve. Il y a eu l'annonce du rêve le mois passé. Donc, il va passer sur la rue La Jeunesse. Donc, il y aura un réaménagement de la rue en partie. Là. Pour les premières années, ça va être de la signalisation au sol. Mais pour la suite, on verra comment est-ce que ça va se pérenniser. Ça va probablement aller à l'année prochaine, par contre. Il y a eu la consultation pour le budget participatif aussi dans mon district, 65 personnes. J'étais un sceptique. Moi, finalement, j'étais un sceptique tout le temps, les collègues. Hein? J'étais un sceptique du fait que ma consultation, c'est ça, exact, comme Capitaine Bonhomme. Il y a eu la consultation pour le budget participatif dans mon district, puis il y avait quand même 65 personnes en plein après-midi qui sont venues nous donner des idées pour le budget participatif. Donc, je les remercie. Ça a été une initiative qui a bien réussi dans le district. Ensuite, il y aura, là je fais une annonce un peu, je vais scooper tout le monde, mais au parc Marcelin Wilson, la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, là, il y aura une annonce prochainement, mais la Fondation Laurent Duvernay-Tardif va faire de l'animation en partie dans le parc pendant 2 semaines. Donc, je vous invite à suivre ça pour que l'ensemble des gens des districts, soit d'Antic, de Bordeaux-Cartierville, là, mais même les gens de Sourd-et-Collet, c'est à la jonction de tout le monde, sauf Sourd-et-Collet, là, c'est un peu plus loin, mais quand même, c'est une belle initiative. On a travaillé fort avec lui-même, là, avec Laurent Duvernay-Tardif, pour que ça arrive. Je voulais aussi souhaiter une bonne fête des pères à l'ensemble des pères du district et de l'arrondissement, puis particulièrement à mon collègue Jérôme Normand, qui est un père exceptionnel, très, très présent auprès de sa famille. Donc, bonne fête des pères, M. Normand, puis à l'ensemble des pères de l'arrondissement. Puis je voulais aussi, finalement, souhaiter bonne fête nationale du Québec à l'ensemble des citoyens d'Antique-Cartierville et de Montréal. Merci. Bonne soirée. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Effie Gianou, conseillère de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Alors, à mon tour, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont déplacés samedi passé et vendredi passé à la fête de l'arrondissement. C'était très beau à voir. Je pense qu'il devait avoir 800 au moins personnes, 1000 personnes dans les 2 jours. Et aussi, c'était bien de voir le commandant Da Silva. J'aimerais aussi, il n'est pas ici ce soir, mais le remercier pour son travail, sa collaboration durant la dernière année. Du côté de Bordeaux-Cartierville, c'est sûr que le REM qui s'en vient à grands pas est un sujet qui intéresse tout le monde. Et le 14 mai dernier, on a eu à l'Hôtel Le Cristal, à l'arrondissement voisin Saint-Laurent, c'est une séance d'information
pour vraiment répondre aux questions des citoyens sur ce projet-là. Il y a eu à peu près 150 personnes qui sont allées et ils ont pu poser des questions et aussi voir les différents principes architecturaux des stations et des futures voitures de métro léger. Mm-hmm. Ensuite, mercredi dernier, on a eu une séance d'information pour la deuxième phase du projet de réaménagement Laurentien-La Chapelle. On avait les fonctionnaires de Ville-Centre qui sont en charge du projet. On avait Sylvain Ouellette, l'élu du comité exécutif aussi, qui est en charge du projet, qui était présent pour répondre aux questions des citoyens. Il y en avait beaucoup, beaucoup de questions et même, je pense qu'on a même débordé en temps. À venir, alors on a encore cette année des kiosques de mise au point de vélo. À Bordeaux-Cartierville, on a le 11 juin au bureau de Ville-en-Vert et le 13 juin au parc Rimbaud. Demain soir, on a le dernier atelier d'idéation du budget participatif. Alors, ça va être au centre communautaire culturel, au futur centre communautaire culturel de Cartierville. Je vais vous donner l'adresse vu que c'est demain, 12225 Grenet, de 18h30 à 20h30. Samedi prochain, on a deux événements. Le matin, c'est l'inauguration de l'expo photo Gouin-Ouest. Alors, c'est une initiative du CLIC et de l'Association des gens d'affaires de Gouin-Ouest. Cette année, les talents qui vont être présentés, c'est d'élèves de maternelle, première, deuxième et quatrième, des écoles primaires Alice Parizeau, François de Laval, Gilles Vigneault et Louis Bourg. Et ensuite, à midi, c'est la course à obstacles de guêpes au parc Beau Séjour. Alors, c'est une course à obstacles en famille, à compter de midi, puis il va y avoir des départs à tous les 45 minutes jusqu'à 16 heures. Ensuite, nos sites nautiques ouvriront le 22 juin. J'avais reçu des questions, alors là, on a la date précise. Et finalement, pour tous ceux et celles qui nous posent des questions sur quelle rue, quelle section de l'arrondissement vont voir des travaux cet été ou des réparations, pour ceux qui ne le savent pas, sur le site de l'arrondissement, il y a une section où vous pouvez cliquer sur le secteur et vous pouvez voir où les travaux seront faits. Alors, ça peut aider à répondre aux questions. Et c'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Hunsic. Alors, bonsoir tout le monde et bonsoir à celles et à ceux qui nous regardent également à la maison. Alors, moi d'abord, j'aimerais expliquer le contexte d'un dépôt de document qu'on va faire ce soir, si vous avez vu l'ordre du jour, au point 10.04. Alors, au point 10.04, on va déposer une déclaration qui vise à demander au ministre de l'Éducation la mise en place d'une mesure alimentaire dans les écoles pour les jeunes en situation de pauvreté. Dans notre arrondissement, il y en a également. Alors, en tant que responsable du dossier de l'inclusion sociale au comité exécutif, j'ai amené cette déclaration au dernier conseil municipal à l'Hôtel de Ville parce qu'on a appris ces dernières semaines, vous l'avez vu probablement dans l'actualité, que la nouvelle carte de la défavorisation des élèves allait priver de nombreuses écoles primaires de mesures alimentaires essentielles, comme le dîner à 1 $ qui pourrait passer à 8 ou à 9 $ dans certaines écoles. Alors, c'est un problème budgétaire absolument incroyable pour beaucoup de parents. Alors, il s'agit donc des élèves qui fréquentent une école dans un quartier où la moyenne de la population s'est enrichie depuis le dernier recensement. Ce qu'on voit de plus en plus à Montréal, et on le voit aussi dans ces quartiers-villes, ce sont des îlots de richesse qui côtoient des îlots de pauvreté. Alors, on parle d'une dizaine d'écoles touchées, et il y en a dans notre arrondissement. Alors, si on pense que 41% des familles immigrantes à Montréal dans Hunsic-Cartierville, et non pas à Montréal, pardon, 41% des familles immigrantes vivent sous le seuil de la pauvreté, le seuil de faible revenu après impôt. Alors, ce qu'on veut, c'est que tous les enfants qui en ont besoin puissent avoir accès à cette mesure, quel que soit le niveau de richesse ou de pauvreté du quartier où ils vivent. Alors, et comme on parle d'insécurité alimentaire, bien, j'en profite pour saluer l'incroyable travail qui est fait par les organismes comme le SNAC dans Hunsic et ou la Corbeille Bordeaux-Cartierville dans Cartierville. Alors, c'est pourquoi c'est si important
d'offrir une programmation culturelle et sociale riche et accessible aux gens, le plus possible gratuite ou à faible coût. Alors, vous pourrez trouver à la porte en sortant, si vous ne l'avez pas pris tout à l'heure, la fantastique programmation du Parcours Gouin. La programmation estivale, elle est prête, elle est... c'est absolument incroyable ce qu'on y trouve. Il va y avoir des conférences tout l'été, des promenades historiques. Il y a même du camping urbain cette année pour la première fois. Les deux sites nautiques, comme disait Mme Giannou, vont être ouverts à l'école Sophie Barra et au parc Beau Séjour. Du cinéma en plein air à plusieurs reprises. Beaucoup d'activités axées sur le loisir durable et des belles découvertes sur l'environnement. Alors, pour finir. Alors, pour ceux et celles qui aiment rencontrer leurs voisins, sur Fleury West, les fameux mercredis pique-niques seront de retour bientôt, dès le 19 juin. Il y a souvent de l'animation ces soirs-là, c'est toujours extrêmement agréable d'y aller. Et ce samedi qui vient, donc la veille de la fête des Pères, beau temps, mauvais temps, ce sera la grande fête de quartier sur Fleury West, FLO pour les intimes, avec le retour des fameuses grandes tables rondes, la grande tablée, où on peut apporter à boire, à manger, mais aussi profiter de ce que tous les commerçants ont à nous offrir. Il y a des surprises chaque année. Alors, c'est près de 1000 places assises sur près d'un kilomètre de rue. C'est assez fantastique comme événement. Et on promet beaucoup d'ambiance cette année avec un groupe de musique, une fanfare ambulante. Alors, venez donc fêter la fête des Pères ce samedi soir avec nous. Et enfin, moi aussi, je voudrais souhaiter une bonne fête nationale à toutes et à tous. Elle aura lieu au Parc Antique le 23 juin. Avec l'organisme du quartier Espace Trad, qui est vraiment fantastique avec tous ses contes, ses légendes, on en apprend chaque fois. Et le thème de cette année de la fête nationale, ce sont les traditions québécoises qu'on va revisiter. Donc, Espace Trad est tout à fait désigné pour ce faire. Alors, bon début d'été à tous. Merci. Merci. Je passe la parole maintenant à M. Jérôme Normand du district du Saut au Récollet. Merci. Bonsoir. Donc, Mme Tullier en a parlé, on a inauguré le 1er juin la première ruelle verte de l'arrondissement. Puis juste pour vous situer, si vous souhaitez la visiter, c'est vraiment agréable d'y déambuler. C'est donc entre Georges Barry et Delaroche, entre Prieur et Henri Bourassa, donc vis-à-vis l'école Saint-Paul-Lacroix. Et effectivement, on l'a dit, mais c'est important de le répéter, date limite 1er juillet pour déposer des projets pour les 4 futures ruelles vertes qui seront réalisées l'an prochain dans l'arrondissement. Le 6 juin dernier, on a eu donc par district chacun et le dernier atelier est demain dans Bordeaux-Quartier-Ville. Mais donc, le 6 juin, c'était dans Saut Récollet au Collège Mont-Saint-Louis, un atelier d'idéation pour le budget participatif. Là aussi, une très belle participation puis beaucoup d'idées qui s'en sont dégagées. C'est important de savoir que toutes ces idées-là qui vont être soumises pendant les 4 ateliers vont ensuite être développées à l'automne sous forme de projets plus concrets, chiffrés, amalgamés, pour ensuite passer au vote par la suite vers la fin de l'automne. Le 8 juin, c'était donc la fête de l'arrondissement, mais c'était aussi le moment, la fin de semaine, où il y avait plusieurs fêtes de voisins qui se déroulaient, puis je voulais souligner une des fêtes de voisins qui est vraiment le fun, puis qui est nouvelle dans le coin, qui se passait à la pergola à côté du site des Moulins, organisé par les amis du village historique du Saut-Récollet, avec plusieurs kiosques de participants autour, donc très bien. Et dans les événements à venir, bon, évidemment, la vente trottoir qui s'en vient en fin de semaine. C'est important de savoir que la vente trottoir de la promenade Fleury, ça dépasse la fin de semaine, donc c'est à partir du mercredi soir, mais la formule piétonne, elle, débute le vendredi. Donc, du vendredi au dimanche, c'est piétonisé, mais ça débute dès le mercredi 12 juin. Et il y aura 2 spectacles. Le vendredi, un hommage au Red Hot Chili Pepper et le samedi, un hommage au Coloc. Et ça se passe dans les 2 cas, coin Olympia et Fleury. Et finalement, je voulais vous tenir au courant par rapport à Fort Lorette, donc ce terrain patrimonial que la ville a acquis l'an dernier, il y a à peu près 1 an. On est en ce moment avec des groupes experts à faire 3 ateliers de consultation pour définir un peu la vision de développement du site de Fort Lorette. Il y aura un rapport à l'automne et une nouvelle fois un retour vers la population pour prendre le pouls par rapport à ces alignements-là. Donc, dossier à suivre et qui avance bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, toujours dans le point 10.02, aujourd'hui, nous sommes au mois de juin.
Alors, il y a quelque chose de spécial. Je vous présente l'état des finances de l'arrondissement. Alors, ça s'appelle le rapport de la mairesse, parce que d'habitude, c'est le rapport du maire. Ici, c'est le rapport de la mairesse. Et vous allez l'avoir aussi sur l'écran. Vous pouvez suivre. Alors, je commence. Et vous m'excuserez, je dois vraiment le lire. Alors, je vais tenter de vous rendre la lecture intéressante. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la situation financière de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Ce rapport est produit conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal. Vous y trouverez un portrait des résultats financiers 2018, des indications préliminaires sur le budget 2019 et un état des réserves de l'arrondissement. Comme vous pourrez le constater, la situation financière de l'arrondissement est saine. Notre administration dispose donc des moyens et de la marge de manœuvre requise pour poursuivre la mise en place des différentes priorités du plan stratégique 2018-2021 d'Annecy-Cartierville. Alors, pour les résultats financiers 2018, pour le budget de fonctionnement, pour 2018, le budget de l'arrondissement prévoyait des dépenses de 55 327 400 $ pour la prestation de services à la population. Le résultat final de l'exercice financier fait état d'un surplus de gestion de 4 374 700 $ qui a été versé aux différentes réserves de l'arrondissement. Ce surplus s'explique notamment par, alors, un montant de 1,5 million de dollars reçu pour la mise aux normes des clos de voirie, non dépensé en 2018, mais les dépenses seront faites en 2019. Deuxièmement, des revenus provenant des permis de construction pour 1,3 million de dollars. Troisièmement, une gestion rigoureuse des dépenses qui a permis de dégager des économies de 900 000 dollars. Et finalement, des économies de 300 000 $ dans le plan d'optimisation de la santé et sécurité au travail. Voici les principales réalisations de l'année 2018. Réduction de la limite de vitesse à 30 km/h dans les rues locales. Mise en place de nouvelles mesures d'apaisement de la circulation sur 42 tronçons de rue. Implantation de la collecte des résidus alimentaires dans 9040 foyers du district de Bordeaux-Cartierville. Attribution d'un montant de près de 3 millions de dollars pour augmenter la plantation d'arbres publics pour les trois prochaines années. Appui au développement d'une nouvelle identité pour le quartier d'affaires du district central. Piétonnisation permanente de l'avenue Parc Stanley. Lancement d'un programme de ruelles vertes et communautaires. Appui à la mise sur pied de l'Orchestre des berges d'Annecy-Cartierville. Mise en place d'un programme de subvention pour des couches lavables. Tenue de 2 séances itinérantes du conseil d'arrondissement. Et tenue de consultations publiques sur l'aménagement des parcs Annecy et Nicolas Vielle. Alors, vous pouvez prendre connaissance du bilan 2018 de la mise en œuvre du plan stratégique 2018-2021 sur le site Internet de l'arrondissement dans la section communiquée du mois de février 2019. Maintenant, en ce qui se concerne le programme triennal d'immobilisation, le PTI 2018. Alors, le PTI comprend les budgets dont l'arrondissement dispose pour réaliser des investissements en matière d'infrastructure située sur son territoire. Donc, pour 2018, réfection du réseau routier, 8,3 millions de dollars. Donc, il y a eu des travaux de pavage et de reconstruction réalisés sur différents tronçons de rue et de trottoirs. De ce montant, 6,5 millions de dollars provenaient des budgets de la Ville-Centre. Amélioration dans les parcs, 2,8 millions de dollars. Alors, réaménagement des terrains de balle au parc Saint-Paul-de-la-Croix, réfection de l'éclairage du terrain de balle au parc Marcelin-Wilson, réaménagement des aires de jeu au parc Saint-Odile, installation de filets protecteurs au parc d'Auteuil et au parc Marcelin-Wilson, construction d'un bâtiment utilitaire pour la patinoire bleu-blanc-bouge au parc de Mézy. Protection de bâtiment, 4,9 millions de dollars. Donc, travaux de construction, le chalet et la pataugeoire du parc Saint-Paul-de-la-Croix
et des travaux de mise aux normes à l'aréna Marcelin Wilson et à l'aréna Hunsic. Alors encore là, les résultats financiers 2018 peuvent être consultés sur le site Internet de l'arrondissement à la section « Documents financiers ». Maintenant, des indications préliminaires pour l'année 2019. Alors, on revient au budget de fonctionnement. Le budget de dépenses de fonctionnement de l'année 2019 de l'arrondissement est établi à 56 706 000 $. Les différentes directions de l'arrondissement sont dédiées à l'amélioration des services de proximité tout en respectant les budgets alloués. En 2019, plusieurs priorités seront mises en œuvre et réalisées dans le cadre de notre plan stratégique 2018-2021. À titre d'exemple, adoption et début de mise en œuvre d'un plan local de déplacement, mise en place d'un projet pilote de budget participatif, adoption et début de la mise en œuvre d'un plan d'action local de développement durable, élaboration et adoption d'un plan propreté, et début de la collecte des résidus alimentaires dans le district de Saint-Sulpice. Donc, vous pouvez prendre connaissance des priorités 2019 du plan stratégique sur le site Internet de l'arrondissement dans la section « Communiqués » du mois de février 2019. Pour le programme triennal d'immobilisation 2019, alors cette année, plus de 36 millions de $ seront investis afin d'améliorer l'état des infrastructures dans ces quartiers-villes. Donc, pour la réfection routière et les infrastructures souterraines, donc l'aqueduc et l'égout, près de 29 millions de $, dont plus de 26 millions provenant de la ville-centre, seront investis pour la réalisation de travaux de reconstruction de rues, de trottoirs, de conduites d'aqueduc et dans différents secteurs de l'arrondissement. Une attention particulière sera portée aux mesures d'apaisement de la circulation. Amélioration dans les parcs, il y aura aussi des travaux d'amélioration et de mise aux normes de nos installations. Donc, elles sont déjà en cours ou elles seront réalisées dans divers parcs en 2019, entre autres, donc la stabilisation des berges au parc Nicolas Viel, la phase 3 de l'aménagement du parc Rimbaud, remplacement d'une partie des aires de jeux pour enfants au parc Hunsic et aménagement d'un sentier multifonctionnel, ce que vous avez vu à l'entrée, début des travaux de restauration de l'étang et de certains sentiers au parc Hunsic, et finalisation des travaux de construction d'un garage au parc Demézy pour la Zamboni de la patinoire bleu-blanc-bouge. Dans les bâtiments, travaux d'accessibilité universelle et réfection de la toiture au chalet Louisbourg, élaboration du plan fonctionnel et technique du nouveau centre culturel et communautaire de Cartierville. Notre arrondissement entend profiter des différents programmes mis en place par la Ville-Centre pour aider les arrondissements à bonifier leurs investissements dans les infrastructures. Maintenant, l'état des réserves de l'arrondissement. Le surplus de gestion dégagé en 2018, au montant de 4 374 700 $, a été ajouté aux réserves de l'arrondissement. Celles-ci totalisent à ce jour 11,3 millions de $ et se répartissent comme suit. Alors, la réserve déneigement, 2 195 000. Réserve santé et sécurité au travail, 975 828 $. Réserve pour imprévus, 851 040 $. Réserve immobilière, 4 462 030 $. Réserve développement, 2 781 969 $. Alors, vous voyez qu'avec ces réserves, l'arrondissement bénéficie d'une marge de manœuvre lui permettant de réaliser des projets de développement et également de faire face à des dépenses imprévues. Rapport du vérificateur. Alors, suite à leur vérification, le vérificateur de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2018, sans aucune réserve. Voilà. Nous passons maintenant au point 10.03. Madame Châteauvert. Alors,
quand c'est la période d'intervention du public sur les demandes de dérogation mineure, il n'y en a aucune. 10.04. C'est le point correspondance et dépôt de documents. Il y a le dépôt de la résolution du conseil municipal qui est une déclaration visant à demander la mise en place d'une mesure alimentaire pour les jeunes en situation de pauvreté à Montréal.